Content de vous retrouver, auditeurs et auditrices du 93.6. Et comme tous les samedis, inlassablement, il y a un manquablement du pur funk dans les oreilles. Capitaine Funk en compagnie de DJ Baz. C'est le rendez-vous le samedi soir sur Radio Béton. Voilà, DJ Balaz est à la basse. Bonne ligne de basse, hein. Attention. Eh ouais, ouais. Et on te ramène tous les samedis le meilleur des années 70, des années 80. Dans le domaine du sang. Classique, classique, moins classique. Boutique, boutique. Il aime le boutique. Très bon début de samedi soir sur les ondes de Radio Béton, le Capitaine Funk on the Radio and DJ Balaz pour vous servir. Ah, si, pas de danse, pas de danse. Voilà, et les dîners, tu t'en vas. Paris Band, le Be My Lady. Superbe, superbe morceau. C'est là que c'est bien. It's a funk tonight on the radio, Béton. À la carte, du funky, du sound music, de la disco, spécial vinyle. Hop là. C'est samedi soir, ça se passe. On est là. C'est sur les platines. Allez, la radio Béton. Thurston, Keep It Going, édité en 1982, il est de Washington sur la Prélude Records. Oui, ah, présent. La guerrière. La guerrière. Aïe, aïe, aïe. Zynga Washington avec le morceau de Back Up for Love de 1982, produit par l'un des ex Cross Night Affair, futur Strikers. Strikers, exactement, exact. Daryl Gibbs. On est là, on est là. C'est normal. Oh, oh. Et in motion. Fred Payne, c'est une carrière un petit peu à la Dionne Warwick. Ça commence fin des années 50. Ah ouais, c'est une loin. Actrice, c'est voilà. Il faut absolument la sauver en 1981 parce qu'elle ne vend plus de disques, ça n'intéresse personne. On est un petit peu dans la lignée des crooneuses, genre Nancy Wilson. Elle a eu sa période de solo disco en même et temps. Et qu'est-ce qu'on fait des artistes comme Gladys Knight, comme les Spiners, comme Freda Payne? Dans les années 80, on les envoie au studio le plus fréquentable, la Solar. Avec Léon Silvers qui vont faire les grandes heures de Chalamar, des Whispers et tout un tas de groupes. Et tout d'autres, bien sûr. Les Ohio Players, c'est pareil, les années 70 sont pour eux, mais les années 80, ça va être très compliqué. Pour rebondir, ça va être difficile, mais le retour est foudroyant. Des bras armés des premiers temps, c'est Billy Beck. Ils sont partis entre temps faire les Shadows, qui reviennent et nous font le morceau en 84, Follow Me, qui passera complètement inaperçu sur son album Gradation. Avec des pochettes, avec des jolies filles. C'est ça la particularité ça vient, ouais. des Ohio Players. Oh,
Spiners. Bah de même, en 1984, les Spiners et le Goulit Be and Falling in Love font recette en concert. Mais voilà, il faut changer de répertoire. Et là, on les ramène où ? À la Solar. À la Solar. Là où ça cartonne. Faut les moderniser, hein, les anciens. Et ça leur va comme un gant. 84, c'est quand même le 18e album des Spiners. Et ça sera produit par Léon Silver, c'est là aussi. Hey, this is Martin McClain, and you're listening to Captain Funk on the radio, 93.6. Hey, Captain Funk, thank you for keeping the funk alive. Yeah. Yeah. Ils sont de Portland. D'un côté, t'as le guitariste Marlon McLean. L'autre côté, le plus important dans le funky music, la charpente Natalia Phillips à la basse. C'est leur sixième album en 1980, le groupe Pleasure. Voilà, DJ Balaz est à la basse. Pas mine de basse, hein. This is Martin McClain, and you're listening to Captain Funk on the radio. Temptation vendait extraordinairement dans les années 60, les débuts de la Motown. Les années 70, ils vont être novateurs justement avec des morceaux comme Papa Was a Rolling Stone, avec Norman Winfield, mais après ça va ramer. Et après ça va être des problèmes. Le chanteur bien sûr de tête, c'est Dennis Edwards, et il est assez compliqué. Qu'est-ce qu'on fait des Temptation en 1984 dans on reforme le groupe. Surtout avec un nouveau chanteur. C'est ça qui va changer la donne chez les Temptations en 1984. Holly Woodson. Woodson, une voix exceptionnelle. Hi, this is James D. Train Williams. You're listening to Captain Funk on the radio. Radio Baton, 93.6. James Williams, D-Train, I Treasure Your Pleasure de 84. Your pleasure, your pleasure. Hi, this is James D. Train Williams. You're listening to Captain Funk on the radio. Radio Baton. Une formation anglaise, ouais, c'est ça. Trois nanas qui font du son, et là, il y a eu une petite réédition qui est sortie avec mal de maxi 45 tours regroupés. Exactement. Et excellent. Et c'est sorti le 25 octobre. Tout c'est tout récent, 25 octobre. Chez Freestyle Records. Captain Funk, DJ Balaz. Captain Funk, DJ Balaz. On est là. Yes. I got you. To cry on.
a clôturé avec un moment de paradis. C'est normal, c'est fallait... samedi. Oui. C'est Radio Béton, donc c'est normal. Voilà. Paradise avec le morceau. With you. On espère encore d'avoir passé un bon moment. Ah ouais, mais pas de galère, attends. Regarde, voilà. Ouais, je t'arrête donc. Grâce, on mise en tous les samedis dans le vinyle. Et on travaille le plus beau. Mais pas de galère. Là, on va se laisser parce qu'on a 2 heures de direct à travers l'actualité et la nouveauté. La première heure, toujours, un coup de bougie, ouais, on est en plus aimé. Tu pourras écouter l'intégralité de 7 heures, spécial vinyle sur Radio Béton. Le lien est en haut ou en bas. Site YouTube, voilà. Pas de problème. On s'embrasse sur un bon moment funky encore une fois. À samedi prochain. Samedi prochain, on prend les verres. Le Grec au CFM. On a adoré se remémorer ces grands moments. Ah, c'est toujours un plaisir. Les années 80. On s'en lassera jamais. On s'en lassera jamais, mes amis. Mais on part dans le futur fun que l'actualité. Revenons à la réalité. Avec des bonnes choses quand même. Hey, what's up everybody? This is your girl, Angela Johnson. And you're listening to Captain Funk on the radio. Beto Beto, 93.6. Bienvenue sur Radio Béton, ça se passe tous les samedis, c'est de 21h à 0h. Non-stop.